We lift you high to Yahweh. My sobriti bilaga barusu, maragada barusa mbalawe, lau solo mama resa, sharia baru kabaha, laraka so kahata na laka, himohaha soria tana la wofu. Southern brats in the law. Baria bala 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 kanta bala wuhu. Shaha uzaka. Shoraka baba baba. Shira da barata baba baba. Dalara so do Labra di so Maraga da bala rabala wind law Babaru sadabala wind law. Commencez à partager maintenant la vidéo, s'il vous plaît. Commencez à partager la vidéo maintenant. Que celui qui va partager cette vidéo dans plus de 30 groupes soit béni de la bénédiction qui repose sur le prophète que je suis. Soit béni de la récompense qui repose sur le prophète que je suis. Soit béni dans l'alliance du prophète que je suis. Soit béni de l'huile qui coule sur la tête du prophète que je suis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Je dis que celui qui va partager ça dans plus de 30 groupes soit béni de l'huile qui coule sur ma tête, de l'huile fraîche qui coule sur ma tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, vous qui partagez maintenant, soyez tous bénis. Celui ou celle qui partage dans plus d'une trentaine de groupes est béni de la bénédiction du prophète, est béni de la récompense du prophète. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, celui qui honore un prophète en qualité de prophète, reçoit une récompense de prophète. La récompense de prophète qui est sur moi se déporte dans la vie de tous ceux qui vont partager maintenant ce live dans plus de 30 groupes. Dès que tu partages, tu scelles cette bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ramako Sotiba. Partagez, partagez. Nous sommes à 37. Quand nous serons au moins à 70, je commence à travailler. Mara la rue de l'homme, Houten lo, Brisha. Lara da la rue. Mara la bado, Maman Sotiba Hata. La raya bouchi, rabato, ramakabou faha, si kahako, la barinto, rahaïa da karaïga, ragayoso karamalakanto, brayam barahi sora, marada la kosha rante. Oh sapiens soloye, tu es béni. Tu es béni, que mon Dieu te bénisse, que l'huile qui est sur ma tête te bénisse. Marie-Laure Diomandé, que les portes qui étaient fermées devant toi, à partir d'aujourd'hui, je déclare que dans 72 heures, un miracle scandaleux, un miracle authentique se produira dans ta vie, Marie-Laure. Je prophétise, je déclare et je décrète que Dieu te surprendra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ragabasso, mama ragadalare. Marahu Santa Shogadi Mariba Dulobo Mayam Baha Isakadiva Isorahata Abrahamulu Mamaha Santa Baruba la Katala Kosa Haizakin Lo Faha Use Joratana Jacoba da la Kambaso Labareso Mafatin Lo Jacoma Masaziko Marika Dana la Reso Shemam balababareso, lobraigaso, gadiagade, maufantolore, Laetitia Talou, je prophétise, je déclare, je décrète sur toi que l'Éternel t'enverra dans 72 heures trois connexions de grâce, trois connexions de miracle, trois connexions de percée, trois connexions de percée, trois connexions de percée, trois personnes qui seront pour toi des connexions de percée. In the name of Jesus. Loranti kabaradi shoradaradalaga rakato. Grébio Stéphane, je me retrouve précisément sur la route de Dabou. Et je suis en train de te voir venir de là. Mais c'est comme si tu viens du travail. Rabako Sandabra. Tu es allé à Dabou pour le travail. C'est pourquoi tu es allé t'installer là-bas. Je ne suis pas là pour prophétiser ce soir. My God, Mama Koma Kasati. Rakatoko Matadabara Lagadalareso. Shuri Kabaru Sandalaraga. Shuraha Somati Baralareso. Shomara Lagadalaro Sanda. Libro Sakati Faralahato. Mahu Sungahati. Que Dieu vous donne des connexions de percée. Que Dieu vous donne des connexions de percée. Que Dieu vous donne des connexions de percée. Sobradi varadi borodabadi agado. Maman somda lagade. Sharalaraha. Sobababara lagado. Maushoria dabaragade. Il y a de tous ceux qui vont partager, vous allez vivre un miracle dans 72 heures. Tous ceux qui vont partager là, dans 72 heures, vous aurez un témoignage.
Dans 72 heures, vous aurez un témoignage. Shintomania balia katobati. Labratoma baba barata katoma masota barala reso. Shabareko matemara lagadu babarada bahada dagadu. Sadabarado baba. Je débloque les finances des personnes qui vont partager ce live maintenant. Je débloque vos finances in Jesus name. Oh Lord, je sens une présence, un mouvement angélique en fait. Je sens un grand mouvement angélique à l'instant où je parle avec vous. Holy Spirit. Ola bari so gadia falaba. Yahweh, Yahweh. Ok, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis là ce soir pour vous faire passer trois grandes annonces. La première est que demain, nous avons notre culte de délivrance, notre journée de bonnes nouvelles. Demain, nous avons notre culte de délivrance, journée de bonnes nouvelles. Nous avons commencé depuis le samedi dernier et ceux qui étaient présents le samedi dernier savent ce que Dieu a fait. C'était waouh, c'était extraordinaire. Des gens ont vomi des choses. Une femme a vomi, dans son vomi, il y avait un petit poisson. Il y avait un petit poisson dedans. J'ai demandé à mon équipe de médias de faire les photos. C'était extraordinaire, c'était époustouflant, c'était waouh, c'était waouh. Des gens vomis, des démons sont sortis des corps. C'était spécial délivrance. Et le Seigneur nous a donné l'ordre de faire des samedis de journée de bonnes nouvelles, des samedis de délivrance. Samedi dernier, il y a eu de grandes délivrances. Il y a eu des démons sont sortis des corps, il y a eu des guérisons. Et demain, il y aura encore de la délivrance. Demain, à partir de 9h, culte de délivrance, de miracles, culte de délivrance, de miracles, de guérison. Demain, à 9h, à International Prophetic City. Demain, des choses extraordinaires vont encore se produire. Des délivrances, c'est spécial délivrance. Les samedis, c'est spécial délivrance. Si tu sais au fond de toi que tu as besoin de délivrance, si tu sais au fond de toi que ta vie est sous l'emprise des démons, si tu sais au fond de toi que ta vie est sous le contrôle des esprits impurs, des esprits que tu ne maîtrises pas, demain il faudrait être là. Samedi dernier, des choses extraordinaires se sont produites. Des gens ont vomi des choses. Une femme a vomi et dans son vomi, il y avait un tout petit poisson. Dans la semaine, vous aurez les photos. J'ai dit à mon équipe de prendre les photos. Un tout petit poisson. Et c'était ça qui bloquait son enfantement. Demain, nous allons poursuivre encore. Et nous allons poursuivre même les démons. Les poursuivre, les chasser pour de bon. Donc demain, à 9h, notre culte de délivrance aura lieu. À partir de 9h jusqu'à midi. Voilà. Samedi dernier, je n'ai pas trop prêché. Nous avons passé beaucoup plus de temps dans la prière. Et Dieu a fait des choses extraordinaires. Demain, ce sera pareil. Un tout petit enseignement sur les démons et leurs œuvres, sur leurs manifestations. Et nous allons entrer dans un temps de prière énorme et intense. Et Dieu va faire de grandes choses. Dieu va accomplir de grandes choses. Donc, tous ceux qui sont à Abidjan, si tu as des frères, tu as des sœurs à Abidjan que tu aimes, tu veux qu'ils soient délivrés,
passe-leur l'information. Demain à 9h à International Prophetic City, ne manquez pas samedi, journée de bonnes nouvelles. Ne manquez pas ça. Si vous avez des parents, si vous avez des amis, invitez-les, demandez-leur de venir recevoir leur délivrance, de venir recevoir leur libération, de venir briser les liens, de venir détruire les prisons spirituelles, de venir détruire les barrières spirituelles. Voilà, donc ne manquez pas cela. Ne manquez vraiment pas cela. Demain, à 9h, nous démarrons notre culte de délivrance. La deuxième information est la suivante. Le 21 mai, nous reprenons nos cultes de puissance. Les vendredis, dévoilement prophétique, spécial service prophétique. Le vendredi 21 mai, c'est en même temps l'ouverture de notre programme, notre deuxième programme de l'année après Rofeka que l'on a fait pendant la période de la Pâque. Nous lançons le deuxième programme qui est Pentecôte. Nous avons découpé le mot Pentecôte en deux mots. Pentecôte, c'est deux mots qui font allusion à la hauteur. Pente et côte. Il y a d'abord la pente et ensuite il y a la côte. Ça veut dire que Dieu nous envoie dans une autre dimension et nous fait partie de la pente pour nous emmener sur la côte. Et là-bas, nous allons rencontrer le Saint-Esprit. Marie-Laure Diomandé, l'église est située à Yopougon, quartier Maroc, à côté de l'école Bade, sur la route de l'hôpital des Sœurs en venant de la mosquée. Pour de plus amples renseignements, les contacts sont les suivants: 07 87 26 87 26 98 89. Vous appelez à ce numéro et l'on vous donnera toutes les indications possibles pour que vous puissiez atteindre le lieu de prière. Voilà. Et la dernière information, avant-hier et hier, nous n'avons pas eu de Zoom prophétique school, mais ce soir, nous aurons notre Zoom prophétique school, nous aurons notre ZPS, et ce soir, nous allons parler de la prophétie personnelle. Le dernier cours que nous avons reçu était tellement puissant, tellement puissant. Donc, j'aimerais dire à mes élèves que quand je finis ce live, je me mets en position pour commencer à vous donner cours, pour commencer à vous donner l'enseignement, pour commencer à vous donner le cours qui est prévu aujourd'hui. Voilà, le thème du cours aujourd'hui, c'est la prophétie personnelle. Voilà, nous serons là tout à l'heure pour donner cours. Nous n'avons pas été ensemble hier et avant-hier, pour des raisons que vous connaissez. Donc, tout à l'heure, nous reprendrons ces cours-là pour parler de la prophétie personnelle. Voilà. Donc, rendez-vous est pris tout à l'heure pour ZPS. Et demain, rendez-vous est pris pour le culte de délivrance. Nous allons chasser les démons. Nous allons les poursuivre. Les chasser et les poursuivre. Les poursuivre jusqu'à ce qu'ils ne retrouvent plus le chemin pour revenir posséder vos vies. Nous allons vraiment les chasser. Que Dieu vous bénisse. Que la bonne main de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Et à demain pour ceux qui ont besoin de délivrance. Et à tout de suite pour les élèves du ZPS. Voilà. Shalom, shalom chez vous. Love you.